Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde de regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, c'est gratuit. Aujourd'hui, un petit tuto sur Truckee pour Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator 2. Peu importe, c'est 2 ou 1 ou 3 ou 4. Il y a Truckee. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y en a beaucoup d'autres. Lui, c'est l'overlay pour avoir ce qui est écrit, mettons, comment, je sais pas si on, si ça, mais ça, c'est pour que ça soit écrit tout ce que, voyons, si j'ai la misère à le dire, le pedigree, mettons, de ton camion, la frette, qu'est-ce qu'elle a, puis tous ces trucs-là. Ben, c'est sur truckapps.com ou Truckee. T'as le choix pour l'avoir sur ton téléphone, ce que j'ai pas, ou sur le jeu, pour l'overlay dans le jeu. Donc vous allez superpositionner dans le jeu. Vous cliquez ici, vous suivez les étapes qu'il y a à faire. Vous l'installez tout simplement. C'est aussi simple que n'importe quoi. Vous faites juste l'installer. C'est un launcher. Après ça, à partir du launcher, vous avez des paramètres dans le launcher à utiliser. Je vais vous le montrer par après. Mais ils ont sorti nouvellement. Pour le téléphone, ce qui fonctionne, ce qui paraît, puis là, regarde ça, vous voyez là, tu sais, la petite overlay, vous avez le choix de le mettre. Là, tu peux. Il y a beaucoup de choses aussi à venir et qui sont encore là. Il y a des événements pour Truckee, il y a le bot Discord, si jamais vous voulez mettre un bot dans votre Discord, il y a un Twitch bot, si vous voulez le Truckee bot, que si vous voulez le mettre dans votre voyons, chat Twitch. Qui va dire qu'est-ce qu'il fait, comment, je sais pas s'il est en français ou juste en anglais, ça serait à savoir, je l'ai pas testé ça non plus. Il y a des frais si jamais vous voulez payer en tant qu'ami en avantage ou un fan, ça vous donne des avantages, des désavantages, ben, pas de désavantages, plus de désavantages. Puis il y a d'autres mises à jour qui s'en viennent et tout et tout. Donc vous avez juste à suivre le petit processus pour Truckee. Je vais mettre le lien dans la description, vous avez juste à le sélectionner puis aller sur le site. Vous le traduisez en français, il est quand même très bien traduit. Ceux qui ont, c'est par ici, vous pouvez le traduire, la page traduite. Faites-le par ça, ou sinon, je ne sais pas si c'est en français, inscrivez-vous, faites. Vous voyez, bon, ben, c'est. À partir de là, vous faites ce qu'il y a à faire là-dessus. On vous laisse là-dessus. Le Truckbook client, ça, si vous l'avez, vous l'avez. Ça peut toujours vous servir. Ou ceux qui n'utilisent pas Truckbook, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Aucunement. Après ça va donner soit un ou deux petites icônes que vous voyez ici. Puis après ça, vous avez qu'à le lancer comme ça, il va vous sortir une page qui va vous donner votre profil, votre classement, les succès pour lancer le jeu. Vous pouvez le lancer aussi à partir de ça. Puis le dispatcher, ce qui est assez essentiel là-dedans. Mais là, il n'y a rien d'ouvert, fait qu'il ne trouvera rien. On va lancer le multijoueur. Je vais vous montrer. Tout va bien? Tout va bien? Je n'avais pas lancé avant Euro Truck, je ne savais pas s'il y avait une mise à jour ou pas. Je vais juste le lancer. Je vous montre comment planifier le parcours, comment planifier la mission au grand complet. Je ne vais pas la rouler, je vais juste vous la montrer. Puis, une fois ça fait, ben, vous allez comprendre le fonctionnement de Truckee. Bon, on peut aller n'importe où. J'arrive de la simulation 2, je pense. Vous savez quoi? Je vais aller dans la simulation 2. Pour pas que ça soit trop long à loader. Mais normalement, je suis en pro mode, mais j'ai fait une partie hier dans la simulation 2. Je suis allé rejoindre des amis. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Il a pas lancé? What the fuck is that? Ah oui, ok. Je vais juste sortir. Bon, vous voyez? Oups! Là, c'est parce que mon volant n'est pas connecté. Ah, ça va. C'est parce que le volant est pas connecté. Bon, voilà. On l'a en haut ici qui me dit le nombre de joueurs, aucun ami en ligne, puis l'heure qu'il est par chez moi. On s'en va à la simulation 2. Là, on est là, et voilà. Comme vous voyez, on est en simulation. Comme je vous dis, il y a la map de Truckee que vous pouvez avoir accès en direct. Oh, tabarnak, il y a du monde à Calais. Il faut faire CTRL-TAB
vous activez l'overlay. À partir de là, une fois que vous activez l'overlay, vous pouvez vous promener. À partir de là, quand tu fais CTRL TAB, ouais, ton petit overlay, il y a Trocky, il y a d'autres applications aussi qui peuvent se rajouter, mais pour d'autres jeux, donc pas juste pour Euro Truck. Après ça, vous allez faire un Alt D qui vous amène au dispatcher, qui est tout ça ici. Mais il y a Alt. Attendez 30 secondes et quart parce que j'ai ici. Puis pour pas vous induire en erreur, que ça serait poche. C'est ça, il y en a plusieurs. Je cherche juste pour le paramètre. Paramètre généraux. Ah, ça va être Alt X, je pense. Ah non, Alt X, il est éteint, lui, en haut. En tout cas, vous en avez plein, mais là, ça me fait chier que je peux pas. Normalement. Ben de toute façon, vous faites Alt D. J'essaie de le retrouver parce qu'il y a les paramètres pour tout le CT, mais j'arrive pas à... Ah! Ok, attendez, je pense que c'est Alt Y. Alt Y. Non, pas en tout. Mais ouais, hein? Ah, mais je suis désolé, man. On va le trouver, là. Ça, c'est pour le serveur. Alt W, qui est pour vous dire le trafic. D'après ça, t'as Alt O. Ah, qui rouvre la fenêtre des paramètres. Et voilà. Les paramètres généraux, vous choisissez en français, le formulaire, les paramètres du jeu affichés en temps réel. Tu sais, moi j'ai tout laissé en gros comme ça. Après ça, vous avez l'overlay, mettons à l'horizontale, comme qui est celle-là ici. Ça, à la verticale, comme qui est celle-là ici. C'est à vous de choisir comment vous voulez qu'il soit sur votre écran. Après ça, il y a les couleurs. Enregistrer une vidéo replay, ça c'est si jamais vous enregistrez une vidéo, elle va s'enregistrer, vous pouvez la setter à une place dans un dossier quelconque. Intégration Discord, si jamais vous en avez avec le Discord. Pour ça, si vous voulez mettre les couleurs que vous pouvez personnaliser pour votre overlay. Après ça, tu as les fonctionnalités de Trucker MP, activer la notification d'alerte parce qu'il y en a plus, vous allez voir, il y en a. Radio et volume, si jamais vous mettez de radio ou quelque chose. Si vous voulez être premium, devenez un patron, ça, vous pouvez le payer aussi. Ce qui va vous occasionner d'autres. Que vous allez voir sur le site si jamais vous. Voulez les raccourcis, c'est ce que je voulais. Raccourcis généraux, Alt Y, Alt O, Alt D pour le dispatch. Vous les avez tous ici. Moi, c'est pour ça que je les ai pris en photo des fois. Sur mon téléphone, puis je regarde sur mon téléphone des fois pendant que je suis en jeu parce qu'elle est ouvrir la. Mais vous pouvez l'ouvrir pendant que vous roulez aussi. Vous avez le clavier puis tout. À partir d'ici. Les paramètres généraux. Ok, je vais juste être sûr que je me fasse pas TP. Fait là, pour vous montrer où est-ce qu'on en est, pour on va y aller avec le début de la chose, man, qu'on est là. Oups. Avant tout, faites pas ce que je viens de faire. Je vais vous expliquer au début. Bon, parfait. Là, on est là. Ouais, voilà, on va bouger un peu, tu sais, dire, hey, oh, on est là. Bon, vous arrivez à une compagnie, peu importe la compagnie, ou vous savez pas trop, vous regardez, vous vous dites, ah, c'est où je pourrais aller. Ah oui, c'est vrai. Sur Trucky, vous allez avoir sur la map les noms de l'autre, les deux noms. Vous allez avoir les noms de d'autres pays. Ben, pas d'autres pays, dans le fond, c'est le nom, mais en allemand, ouais, juste.
Je ne sais pas à quel. Mais vous allez avoir la plupart des villes, pas la plupart, mais beaucoup de villes qui n'auront pas les bons noms. Bon, c'est un peu dur à. Mais en tout cas, à trouver vite fait, mais des fois, ça arrive que. Puis vous allez faire comme, voyons, comment ça je trouve pas la ville? Ben hier, avec un bon ami, on a trouvé exactement ce qu'on avait à faire. Option, jouabilité. Je sais pas si c'est jouabilité, mais je pense que oui. Tout en bas. Ouais, c'est ça. Nom des villes. Puis afficher les noms des villes secondaires sur la carte. Venez cocher celle-là ici. Fait comme ça, vous allez avoir les deux noms. Chose que j'avais pas, fait que des fois je galérais à les trouver. Là, ben, je vais avoir les deux sur la map. On va avoir Genève, Genova. Donc, on va avoir les deux Parma, Parme, Milan, Milano. Fait que quand vous allez chercher certaines villes qui sont sur un autre nom, des fois qui sont plus difficiles, qui sont pas écrits comme pareil. Ça arrive, il y en a. J'essaie de vous en trouver une parce que ça m'est arrivé deux, trois fois. Ah, regarde, Copenhague, Copenhague, tu sais, c'est pas pareil. Fait que, tu sais, vous cherchez des fois une ville qui est pas la même, donc c'est pas. Mais une fois ça, c'est fait. Et voilà, vous êtes correct. Bon, là, vous arrivez, vous avez bougé, vous avez fait un truc. Vous sortez pas du jeu. Il y a une touche que vous pouvez pour sauvegarde rapide. Normalement, c'est. Moi, c'est scrolling, là, En tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Vous avez en haut à gauche, je viens d'avoir une sauvegarde. On va la refaire, là, pour que vous la voyez. Regardez en haut à gauche, en arrière, en dessous du 500, 5727. Bim, sauvegarde automatique. Vous allez dans les paramètres, sauvegarde automatique. Vous venez ici, clavier, bouton. Vous cherchez sauvegarde automatique. Sauvegarde rapide, chargement rapide. Regardez, c'est lui, là. Je sais pas comment, mais en tout cas, mettez une touche que vous voulez. Puis, vous faites une sauvegarde rapide. Une fois que la sauvegarde rapide est faite, vous faites Alt-D. Vous sortez le dispatcher, vous appelez Dispatch. Dispatch, pas besoin d'une mission. Dispatchez où sa page. Une fois la page ouverte, vous avez Euro Truck, ça va se setter tout seul, vous ne touchez rien. À part ici, vous regardez l'heure et votre quick save. Si vous cliquez ici, vous avez toutes vos saves que vous voulez. Prenez aujourd'hui, moi, tu vois, il est 9h24, bim, on prend la 9h24, là, tu étais déjà là, mais il a resélectionné. Si vous avez une frette, ça fonctionne. Vous pouvez votre dernière position, vous pouvez l'envoyer, la mettre à jour, se téléporter, mais ça, c'est avec le premium. Donc, si vous n'avez pas premium, ça vous sert à rien. Si vous ne payez pas par mois, ça fonctionnera pas. La dernière livraison créée, ça, c'est toutes les dernières livraisons qui ont été créées par les gens. Fait que vous pouvez arriver, vous dites, ah, là, cool, ça frette. Vous sélectionnez ça, copiez son truc, vous l'envoyez ici, vous allez l'avoir. Vous voulez faire la Calais à Duisburg, 448 avec son yacht, vous pouvez le faire, même si vous ne connaissez pas la personne. Vous voulez Cutflower? Ça, en tout cas, Cutflower, j'ai un doute que c'est vraiment des Cutflower. Les aides logistiques de Alborg, vous comprenez? Vous les avez ici, de tous les joueurs qui ont créé des missions, dont 1 876 000 itinéraires ont été créés. T'as pas les 1 million ici, là, mais t'en as une guerre. On s'entend. Offre d'attraction, mettons. Le problème, vous voyez, là, j'ai oublié de regarder où j'étais. Vous faites comme, voyons, j'ai oublié, ah, je me rappelle plus. Alt L, vous ouvrez, vous dézoomez, vous dites, ah, je suis à Toulouse, c'est vrai. Vous arrivez ici, marquez Toulouse. Oups. Toulouse. Et voilà, il est là. Vous sélectionnez, découvert seulement entreprise, ça c'est vous qui décidez. Vous dites, ah, où est-ce que je peux bien aller livrer ça? Je suis où, moi? Ah, ben, il y a FLE direct là. On va aller au FLE. Là, il me donne une batterie, mais c'est vous. Là aussi, il y a un autre hic, c'est qu'ils sont en anglais pour les cargaisons. Et sont pas, comment je pourrais dire, il y en a qui sont pas au complet. Façon de parler, là. Ah, ben là, j'avoue que mise à jour, on dirait qu'ils en ont réglé quelques-unes. Aïe, dans ce Car Bolt 1, on sait pas trop c'est quoi, mais. T'en as, ouais, gars, Asphalt Miller, mais bon.
Ok, c'est à désirer, article gratuit. Des fois, ils sont pas toutes là, puis ils sont pas traduites. Fait que, à vous de voir. Putain, mettons, on va mettre Cut Flowers, ce que j'ai toujours eu un doute ce que c'était. Parce que ça vaut trop cher pour des fleurs coupées. Et d'après moi, on transporte quelque chose d'illégal, mais ils l'ont juste pas dit. Mettons, bon, on est à Toulouse. Ben, on va aller à Montpellier, tiens. Bim. Là, on s'en vient ici, Montpellier. Montpellier. Tu sais, juste mots, ils vont tous me sortir les villes qui ont mots dedans. En général. Montpellier, bim. Ils veulent que j'aille à Baptiste. Je suis du Baptiste. Montpellier. Je sais pas. Un Baptiste. Où Baptiste? Ah, Baptiste, il est là. Parfait. Baptiste existe. Prenez le temps de vérifier si Baptiste existe parce que si vous avez la. Ben, quand vous êtes surtout quand vous êtes en simu, des fois, ils vont vous donner une entreprise qui est en pro mode. Donc, vous allez arriver, puis votre drapeau va être en plein milieu de nulle part. Là, vous avez un problème, faut recommencer, puis choisir. Pour ça, prenez le temps de vérifier si vos entreprises sont bien et bien là pour vos livraisons au départ et à l'arrivée. C'est quand même assez important de pas. Une fois que ça s'est sélectionné, vous avez le choix de vos remorques. La Chrome Coal Liner, c'est à vous de voir. Mettons, bon, je prends elle, ils vont me donner celle-là. Si vous avez les choix de Zermelleur puis toutes les autres, ben ils vont s'afficher ici. Une fois tout ça est fait, ah oui, si jamais vous avez comment utiliser, il l'a ici aussi. Puis des problèmes connus, ils vont vous en donner quelques-unes, puis ils vont vous donner peut-être quelques solutions si jamais vous. On ajoute la livraison. Votre code se met ici. Vous n'êtes pas obligé là, de le mettre là. Mais si vous voulez, collez-le, gardez-le, puis il va là, mettre à jour votre sauvegarde. On met à jour la sauvegarde. Si, mettons, vous vous dites, ah, j'aimerais ça la garder, bien, vous la gardez, vous la prenez en note, puis vous la gardez. Et voilà, la sauvegarde est faite. Vous fermez ça ici, vous fermez votre, si jamais vous l'avez ouvert. Faites Escape, vous en venez ici, faites ça ici, chargez, vous venez charger votre sauvegarde rapide parce qu'il va la sauvegarder sur la sauvegarde rapide et non pas sur votre game mettons en multi. Il va la mettre sur la sauvegarde rapide, sur votre dernière sauvegarde établie, il va la mettre dessus. Fait que si vous ne faites pas une dernière sauvegarde, ça va être votre dernière sauvegarde, vous comprenez? C'est pas compliqué. La dernière sauvegarde, il va la mettre dessus. Et des fois, vous arrivez, vous loadez la mauvaise, vous vous dites, ah, elle est pas là, t'as peut-être loadé la mauvaise sauvegarde. Puis logiquement, là, elle est là, mais elle devrait être déjà à l'entreprise. Et non pas, j'ai pas à aller la sélectionner. Normalement, je dois faire la map. Ah non, c'est vrai. Quand c'est des frettes, c'est quand c'est des frettes qui t'appartiennent à toi, ils vont pas apparaître. Et vous vous rendrez direct à l'entreprise. Là, normalement, quand c'est une traction, quand c'est une frette comme ça, normalement, elle apparaît tout de suite. Vous faites map. Vous sélectionnez l'entreprise, vous vous dirigez direct à l'entreprise, elle va être là. Les tractions, il faut que vous venez ici. Boum, elle va vous emmener automatiquement à votre traction de fleurs coupées. Ben, ce que vous avez mis. Toulouse-Montpellier, 12 000 billets, 36 piastres, 39 piastres du kilomètre. Définition Soyez du prudent. GPS, on en soit prudent, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il ne l'a pas mis. Ah, ben c'est parce que j'y suis déjà. Ça, c'est parce que j'y suis déjà. Donc, je me rends à l'entreprise. On y est déjà. Si ceux qui ont le premium vont être téléportés à l'entreprise, que tu sois en Suisse, bim, ils vont te téléporter direct là-bas, à l'entreprise. Bon, ok, il y en a qui vont me dire c'est pas RP, ben, mais c'est au moins t'as pas à te faire chier pour. Et voilà, l'entrée, vous voyez en arrière? Petit beau le camion, man. Là, vous voyez le troquis à ma gauche, tout est indiqué. Fait qu'on s'en vient comme ça ici. Bing, bing. Et voilà. Tout est là. Oups. Mon camion s'est éteint, hein? Ben oui. Bon, vous voyez. Oups. Tout est là. Il y a le nombre de joueurs, dans quel serveur que t'es, l'heure qui est, mon Scania ARS 2009. Bon, il est éclaté à 15%, on s'en bat les couilles. Ma remorque que je viens d'atteler, elle est à 0%.
le nombre de litres que j'ai dans mon camion, le nombre de kilomètres quand je roule. Qu'est-ce que je transporte? Mes fleurs coupées, une tonne. C'est cher payer une tonne pour des fleurs coupées, non? 12 500 balles. Pour 300 km, d'après moi, ça, là, c'est pas des fleurs coupées. Mais bon. 0% de la cargaison a été endommagée. On part de Toulouse à FLE à Montpellier à Baptiste pour 12 500 billets. 292 km, 12 minutes. À 9h45 chez moi, je devrais arriver. Ce qui est parfait, ce qui est génial, tout est là. Vous faites votre livraison, vous arrivez sur place. Une fois arrivé sur place, là, vous laissez tout cela. Comme je vous dis, vous arrêtez, vous débarquez votre fret, vous arrêtez. Tout ce que vous avez à faire, c'est votre sauvegarde rapide. Après ça, vous refaites Alt D, vous recréez une autre fret, comme je viens de vous l'indiquer ici, avec Autosave, qui va, le, c'est la dernière save, mais vous, non. Si vous avez des amis, vous créez votre fret, vos amis ont troqué, vous prenez votre ID, là, dans le fond, là, ici, vous la mettez là, vous faites importer, elle va apparaître en bas, vous ne faites pas ajouter à la livraison, il va y avoir ici mettre à jour la sauvegarde ou ajouter à la sauvegarde. Link, vous l'ajoutez à la sauvegarde, vous remplissez rien quand que vous prenez par l'ID unique, par les importer, vous rentrez aucune donnée ici, vous y allez par en dessous ici qui va apparaître juste en bas ici. Puis that's it, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Et voilà, c'est créé, c'est fait. Fait que. Merci tout le monde, c'est pas compliqué. Oui, ça se rajoute, c'est vrai. Attendez, je vais juste aller voir. Oui, vous voyez. Elle a été envoyée à l'entreprise sur Truckbook. À partir de là. Non, ok. La mienne, elle n'a pas été envoyée ici. Okay. Est-ce qu'elle va être cumulatif pour Bordeaux, Toulouse, ETS, envoyé? Je sais pas si j'ai été trop vite par rapport à celle-là ici. Je sais pas. Malheureusement, par Truckbook, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça va être à tester par vous autres. Est-ce que Truckbook accepte? Il faut l'accepter aussi sur Truckbook aussi. Ou si ça s'accepte tout seul, ça s'accumule tout seul. Ça, je ne sais pas. Ça va être à tester. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous direz dans les commentaires. Oui, non, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de problème. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Je n'en fais pas plus longtemps. Puis j'espère que ça va vous avoir aidé. Laissez un pouce bleu, un commentaire ou abonnez-vous. Puis venez rouler avec nous si jamais ça vous tente. Vérifiez sur Twitch. On est là. Fait que, merci tout le monde. Faites attention à vous autres. On se retrouve sur les routes. Ciao tout le monde. Peace.